Salut. Salut, c'est Trado, content de votre pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle et pour l'actualité des métaux précieux. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, il s'adresse aux investisseurs, aux accumulateurs, à ceux qui veulent acheter petit à petit au meilleur coût et eh bien de l'or, de l'argent dans une optique multi, pluridécennale hein, la retraite, la transmission. Il ne s'agit pas ici de penser à la revente, simplement à l'achat. Et toujours en gardant à l'esprit qu'il faut constituer petit à petit, progressivement, ses avoirs en or et jamais en une fois si on veut euh, conserver un peu de prudence. Alors, on va commencer par les actualités, comme d'habitude. Et c'est avec un petit peu d'agacement, je dois vous l'avouer, hein, que, que j'ai euh, compilé les. Euh, les articles du, euh, du jour, tout simplement parce qu'il y a une sorte de consensus maintenant à la chasse sur l'or qui me gêne beaucoup plus que le consensus inverse. Vous savez très bien que j'ai pris avec énormément de recul, voire de philosophie, la baisse de l'or et de l'argent lorsqu'elle est intervenue, notamment en fin d'année dernière. Autant là, je vois que les commentaires de plus en plus exaltés par rapport à l'or euh, doivent inciter à la prudence. Hein. C'est ainsi qu'on fait des déçus, c'est qu ainsi qu'on fait des... Des frustrés. Les messages euh, positifs par rapport à l'or euh, deviennent maintenant généralisés. On n'entend plus les critiques. C'est aussi mauvais que le bashing auquel les métaux précieux ont été injustement soumis. J'attire vraiment votre attention sur le fait que je n'ai pas réussi à trouver d'articles euh, négatifs cette semaine sur l'or et sur l'argent. Et en tant que tel, ça doit vraiment vous inciter à la prudence et à conserver une méthode d'acquisition euh, lente, rationnelle raisonner et ne pas verser dans le ce qu'on appelle le faux mot en anglais le fear of missing out c'est-à-dire la peur de manquer ce serait une erreur hein. donc premier article pour le coup euh, j'aime bien celui là puisque il nous vient d'un d'une association de, 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 de gérants d'actifs de, et de portefeuilles. C'est la raison pour laquelle je l'ai mis ici. Donc ce sont des choses qui vont effectivement se développer parce que c'est une chambre de, de, de résonance pour, pour beaucoup de professionnels. Pourquoi vous devez mettre de l'or dans votre portefeuille Et ils expliquent à force de chiffres et de, de documentation pourquoi l'or, quand on a un patrimoine, est très important. Tout d'abord à cause de sa décorrélation vis-à-vis -vis des, des indices, vis-à-vis -vis des actions, ce que n'ont pas réussi à faire par exemple les grands concurrents euh, récents de l'or, à savoir les cryptos, qui étaient complètement corrélés euh, aux... Au marché, on l'a vu, hein, de fait. Euh, ils expliquent également que là, les métaux pression particulièrement bien performé pendant les périodes de crise. Hein. par exemple, vous voyez, euh, si on prend, allez, je prends le l'avant-dernier Brexit, euh, l'or a pris 10%, les marchés ont perdu 1%. Pendant 2008, la crise euh, des, des financières, les marchés ont perdu 44%, le leur a pris 1,3%. Un peu décevant pendant la crise Covid, attention, pour l'or libellé en dollars, parce que pour l'or libellé en euros, on a gagné du terrain. Donc pour nous, Européens, c'est ça qui compte, hein, compte puisqu'on a investi nos euros en or, pas nos dollars en or. Donc pour le dollar en or, néanmoins... Pardon, l'or en dollars, eh bien, il y a un différentiel de 10 points entre la performance de l'or et de, des, des actions. Bref, euh, c'est important parce que quand vous partez de zéro, c'est important de savoir que c'est les actions qui performent le mieux dans le temps. Mais quand vous avez déjà un patrimoine et que vous ne voulez pas voir la valeur de votre patrimoine s'effondrer, eh bien, la diversification en or est intéressante. Bref, beaucoup d'informations que je vous invite à regarder. Vous trouverez les liens sur mon site hein, ou en dessous de la vidéo. Deuxième article, alors c'est celui-là qui m'a un petit peu énervé, mais c'est très injuste puisque j'en ai pris un au hasard. Mais euh, voilà, sur, sur Yahoo Finance, donc grand public, hein, euh, la compilation des, des articles dit en gros voilà, l'or en route vers les 2000 dollars, comme si effectivement la, la route était tracée vers les nouveaux records, hein, c'est les, euh, les termes qu'ils utilisent. Euh, J'ai regardé pour vous également un, un autre article qui m'a vraiment agacé, c'est un détournement hein, de, la, de la parole scientifique, où on dit, euh, ça, bon, en anglais c'est quand est-ce que l la Terre n'aura plus d'or Eh bien en 2050, voilà. alors qu'on sait pertinemment bien que de l'or il y en a partout. C'est simplement qu'il faut de plus en plus de, de technologie pour aller la chercher à des coûts de plus en plus élevés. Donc dire qu'il n'y aura plus d'or en 2050, ça n'a absolument aucun sens. Il y en a partout au centre de la Terre. C'est simplement que dans l'état actuel des connaissances et des coûts et de la technologie, euh, ça ne serait pas rentable en fait. Et surtout avec les limites environnementales. Mais qui sait ce qui se passera en 2050, qui savait ce qui serait le monde aujourd'hui il y a 10-15 ans. Alors vous imaginez, dans, dans 27-30 ans, c'est juste un non-sens. Évidemment, ce ne sont pas les scientifiques qui sont à mettre en cause ici. Les scientifiques exposent des faits, mais les, les médias euh, détournent ces informations de manière à créer une sorte de, de panique haussière sur l'or. Et ce n'est pas bien et ça ne dessert absolument pas les Gaules 2 euh, euh, dont on sait hein, qu'il y a regardé un petit peu, mais c'est toujours pareil. Hein. La dernière fois que ça s'est produit comme ça, c'était euh, en, en mars. Tout le monde parlait de l'or en mars et derrière on a consolidé, mais c'est surtout ce qui s'est passé lors des pics absolus. Hein. Euh, regardez donc 2010, on a perdu 30%. Et puis, euh, ah non, je raconte n'importe quoi. C'est le en dollar qui m'intéresse. Je vous montre simplement pour que sachez qu'il va y avoir encore des consolidations à propre. Ah, c'est obligé et euh, c'est historiquement, je veux dire, euh, inévitable. Et euh, ça n'empêche pas de remonter, de dépasser les niveaux. Mais attention, période d'euphorie qui vous euh, font euh, miroiter des hautes, des hausses. Euh, on va dire. Euh, verticale, euh, funiculaire, et ce n'est pas tenable. Donc, euh, soyez patient. Bon, bref, c'était mon coup de gueule. Et on va passer à l'or libellé. Et encore une fois, si vous connaissez mon format, euh, je suis ce qu'on appelle un 2 je suis un, un, un enthousiaste. J'investis en or depuis le début des années 2000, mais voilà, là, ça, devient, ça redevient euh, exagéré. Hein. Bref, l'or libellé en euros, toujours en grande forme. Oh non, je reviens sur le pardon, c'est un peu décousu. L'or libellé en euros est en grande forme, comme vous pouvez le voir, on a réussi à s'extirper de la zone des 1761 1735 qui devient donc zone d'accumulation rationnelle. D'ailleurs, certains ne s'y sont pas trompés, dès la première incursion dans la zone, ici, il y a eu des rachats. Évidemment, c'est une zone d'accumulation rationnelle, mais il n'est pas interdit d'investir aussi en bas de la zone si on y va, ça veut dire que si on attend une baisse de 2% on sera quand même à un niveau plus intéressant et en particulier si on va sur les 1730 de 1720 donc clairement c'est une zone d'accumulation rationnelle sur laquelle il est tout à fait envisageable d'acheter mais ne mettez pas tous les œufs dans le même panier en termes d'accumulation faites ça progressivement c'est quand même ce qu'il y a de mieux à faire je pense et c'est ce pas un conseil c'est ma méthode la tendance de long terme et la tendance de fond maintenant sont, euh, sont, sont intéressantes. Hein. Vous voyez la M50 qui monte, là on est au-dessus de la M200, donc clairement la tendance de long terme est note parce que la M200 tout, descend toujours, mais la tendance de fond est haussière, les bougies Aikinashi montrent un affaiblissement de la pression haussière, puisque les bougies sont vertes encore, mais maintenant il y a mèche haute et mèche basse. Donc c'est haussier, mais on va dire mollement à présent. Pour l'or, libellé en dollars, c'est la même chose. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire au coffre Veracash au coffre vous permet d'acheter de l'or, des larges d'argent, des platinoïdes, de vous le faire livrer ou de vous le conserver dans un coffre en France ou à l'étranger. Ensuite, vous pouvez acheter et vendre par l'entremise avec les autres clients au coffre et vous avez également Veracage, Veracage, un produit exceptionnel donc de l'or, de l'argent acheté, mais vous y adossez une carte Mastercard classique comme ça. Si l'or et si l'argent montent, et eh bien vous pouvez tout simplement dépenser plus avec votre carte. Ce sont des sponsors, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous pour aller visiter leurs produits parce que c'est exactement ce qu'il vous faut. Euh, je le répète, ce sont des sponsors. Comme On peut le voir, l'envolée est belle. On n'a pas réussi à retester la zone d'accumulation rationnelle des 18-20-18-10. Hein. À part une touchette ici, c'était le 5 janvier. On n'arrive pas à euh, euh, remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Je vais donc me fendre euh, d'une de, 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 sorte de zone d'accumulation rationnelle ici. Alors elle est vraiment pas jolie, elle n'est pas solide, elle n'est pas tout ce que vous voulez. Euh, mais si on va chercher euh, la zone ici, des, euh, allez, on va la mettre entre 18,65 et 18,25, eh il s'agira il d'une mini zone d'accumulation rationnelle. Voilà, C'est vraiment un pis-aller, c'est vraiment à défaut d'autre chose. Un retour sur cette zone pourrait faire l'objet d'accumulation rationnelle, toujours en petite quantité. Euh, on a des bougies avec qui indiquent clairement que bon, ça, ça, ça fait bien un petit peu, heureusement. Pareil, hein, ça reste haussier, sévère, mais mèche haute, mèche basse, ce n'est pas comme avant avec des grandes bougies sans mèche basse. à noter également que la tendance de, de fond est haussière, la tendance de long terme est neutre car la M200 descend toujours. Euh, le croisement M50 et M200 est très positif. Hein. Donc on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Et pour l'argent à présent, euh, avec l'argent libellé en euros pour débuter. On est dans une situation où euh, la, la pression est forte. Hein. Vous avez les cours qui sont au-dessus de la M50 et au-dessus de la M200. On le sait, néanmoins, euh, on fait montre de, 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 de raison depuis euh, un mois, puisqu'on latéralise zone d'accumulation rationnelle qui a déjà été testée. Donc 21,5-21,2. Et puis, si on casse les 23 et qu'on revient, ça sera zone d'accumulation rationnelle en espérant que l'on repartira. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La dernière fois, qu'on l'a été c'était le 11 janvier dans cette zone bougie à neutre pour le coup et c'est une bonne chose avec des bougies avec mesh haute et mesh basse. c'est euh, pas baissier mais il euh, y a clairement de l'attentisme ici et on termine avec l'argent libellé en dollars pour un constat équivalent hein. bon non c'est mieux c'est toujours mieux en dollars parce que parce que le, le, les cours ont explosé avec euh, l'affaiblissement récent du dollar je vous rappelle encore cette progression absolument phénoménale depuis le 14 octobre on en est à plus de 34%, hein, donc euh, c'est bien qu'on latéralise. Zone d'accumulation rationnelle 23, 5, 22, 9, on l'a testé tendance de fond, tendance de long terme positive bougie Kinashi neutre avec un petit avantage, un petit balotage favorable au haussier quand même puisque c'est vert malgré la présence d'une mèche basse zone d'accumulation rationnelle je répète 23,5 22,9 ou alors lorsque l'on aura cassé cette zone et qu'on reviendra sur les, euh, les 24 à peu près, eh bien ça sera zone d'accumulation rationnelle, voilà je vous souhaite une excellente journée je vous invite à regarder les articles que j'ai mentionnés si vous voulez en savoir davantage, vous avez le nouveau d'or qui est sorti, très bien, ce petit format sur tout ce qu'il faut savoir pour gérer au mieux votre or et votre argent, c'est par transparence dans, dans la vidéo telle que vous le voyez. Je vous dis rendez-vous samedi pour la mise à jour. pensez à vous abonner à mon format si vous trouvez ça intéressant et activer la note, la notice, la petite cochette de, de notification pour ne pas louper ces fameuses mises à jour à samedi.